Next question. Order. Member for Ottawa South, come to order. Next question. The member for Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministère associée déléguée aux petites entreprises. Depuis sa mise en place par le gouvernement fédéral libéral en 2019, la taxe sur le carbone génère des revenus provenant des petites entreprises. Les libéraux avaient promis qu'elle pourrait recevoir des remboursements, et cette promesse a été formulée il y a 5 ans. Le gouvernement fédéral libéral admet qu'il doit 1,3 milliard de dollars en remboursement aux petites entreprises, mais il n'y a aucun plan de remboursement à l'horizon. Le gouvernement fédéral libéral retient donc 1,3 milliard de dollars de remboursement. Monsieur le Président, est-ce que la ministère associée peut nous expliquer quels sont les impacts de cette situation sur les entreprises ontariennes? Parliamentary Assistant, Member for Glengarry Prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue député d'Essex d'avoir soulevé ce problème auquel sont confrontées les petites entreprises de l'Ontario. Monsieur le Président, depuis le début, le Premier ministre Ford et notre gouvernement se sont tenus fermement aux côtés des petites entreprises ontariennes qui travaillent fort contre le gouvernement fédéral pour abolir la taxe sur le carbone. Il est inacceptable qu'après 5 ans, le gouvernement libéral n'ait pas tenu sa promesse d'offrir des remboursements, retenant des sommes colossales de 1,3 milliard de dollars dues aux petites entreprises de notre province. Il s'agit d'argent qui aurait pu être réinvestis dans leurs entreprises, leur personnel et nos communautés locales partout à travers l'Ontario. Par conséquent, nos entreprises, qui sont ceux qui créent des emplois, ont été forcées de supporter le fardeau financier d'une taxe inefficace qui augmente le coût sans aucune alternative viable. Monsieur le Président, contrairement aux libéraux et aux NPD de l'opposition, nous sommes à l'écoute des entreprises ontariennes et nous continuerons à demander à Ottawa d'abolir cette taxe. Merci. Le supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Le gouvernement fédéral a laissé tomber les petites entreprises de l'Ontario au niveau des remboursements de la taxe sur le carbone. Monsieur le Président, cet enjeu dépasse largement la question des remboursements. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante nous informe que plus de la moitié des entreprises sera forcée d'augmenter des prix. La dernière chose dont elles ont besoin, c'est d'une nouvelle hausse de la taxe libérale. Monsieur le Président, est-ce que l'adjointe parlementaire peut nous expliquer de quelle manière notre gouvernement provincial appuie nos petites entreprises à l'heure où la taxe libérale fédérale sur le carbone menace leur survie? Thank you. Parliamentary Assistant. Merci à l'excellent député d'Essex. Mon collègue a raison de souligner les effets dévastateurs que la taxe fédérale de carbone a sur les petites entreprises et les familles de l'Ontario. Le coût se reflète sur tout ce que les propriétaires de petites entreprises achètent, rendant l'équilibre budgétaire de plus en plus inabordable sous le poids de cette politique de taxation sur tout. Qu'il s'agisse d'une augmentation des coûts pour les producteurs, les agriculteurs ou d'un transport plus coûteux des marchandises jusqu'à nos marchés, les effets négatifs sont indéniables pour tout le monde. Sauf pour le gouvernement libéral, fédéral et provincial obsédé par cette façon de vouloir toujours augmenter les taxes. Notre gouvernement se tient aux côtés des entreprises et travaille fort pour s'opposer à cette attaque pour réduire les coûts. Contrairement à la chef du Parti libéral, Bonnie Crombie, qui est en faveur des taxes sur le carbone encore plus élevées, nous continuerons à lutter. Merci beaucoup.